continuez seulement ou qu'à éviter de caper maladie sida même si vous faites bagaille sans capote avec un monde qui déjà gagne maladie. Tout le monde qui pas gagne germe maladie sida dans sang et qui gagne pile risque pour traper maladie cap prend prep. Qui monde qui gagne risque pour traper maladie sida? Monde qui pas gagne germe sida dans sang mais qui fait bagaille sans capote, fait bagaille sans capote avec un pile monde, fait bagaille sans capote avec un pile monde pour avantage ou soit l'argent. Fait bagay sans capote ak moun ki gen jem sida nan sang et ki pa indétectable sous traitement ARV, prend drogue nan vin. Est-ce que mou ka kanpe prep la lèm vle? Ou ka pran prep la pendant tout temps ou gen risque pou trape jem sida. Sou pa gen risque encore, ou pa besoin continuer pran prep la. Non, prep pa protège ou contre l'autre infection ou ka pran nan fait bagay. Prep pa empêche ou enceinte non plus parce que c'est pas yon méthode planning liye. PrEP la disponible dans tout 10 départements pays. PrEP la gratis. Famille combien, famille combien moun? En Haïti, chaque jour qui mouri à cause de yon gout sang. Combien frère, combien sœur, cousin, cousine, combien mon compère, voisine qui péri à cause de quelques gout sang. Chaque volonté compte parce que chaque petit gout sang compte. Au moins, à moins, B moins, à B moins, fait partie groupe sanguin à crisis qui est plus difficile dans le monde. Les gens qui ont besoin de sang, c'est problème. Renaxan, c'est une organisation sociale à caractère humanité qui a fait promotion pour toi la vie et la santé, a invité chaque monde à venir par sang pour ensemble nous continuer par la vie. J'arrête. Combien famille, combien amis, combien monde en Haïti chaque jour qui mourit à cause de un goût de sang. Ou même qui des groupes sanguins résistent négatifs. Renaxan, c'est un mouvement positif qui concerne au directement. Renaxan, tout côté sur réseau social. Mais pour plus d'informations, vous carrez les dans 36 17 71 08 33 23 50 80. On fait une solidarité à Renaxan. Renaxan, une autre famille qui a bloqué un fibocaté ou qui a bloqué un moment difficile. Complémenté, pas de klaxon, mais pas de saison. Il peut passer n'importe quel moment. Si on est dans la caille ou senti que tu as tremblé, pas courir sorti dehors en panique. Pas prendre escalier ou bien ascenseur. Rete loin fenêtre avec tout ça qui t'a voltigé tombé sous vous. Kembe chambre de porte bien fort. Et puis cherchez qu'on ait toute information sur tremblement de terre pour préparer. Qui tout sportif, qui tout pas sportif. Depuis ce tsunami, mes amis, courir qu'à sauver la vie. Si vous êtes bol en main, ou bien si vous sous plage à prendre plaisir, depuis vous sentez une grosse secousse, courir. Depuis de l'eau à râler l'école, une belle distance, courir. Pas arrêter, camper, garder, ni à prendre petit poisson ou est sous sable en main. Courir. Courir à l'écoute qui pire au possible, et puis rester en autorité, ordine les dangers à passer. Vodoum Security. On dit un coup d'aïbobo pour Bookman, Bakandal, Sankara et Latrier. A tout San Barwayo qui te choisi sacrifier Vio pour héritage ça. Vodoum Security. M'invite au suivre émission ça. Chaque samedi, sorti 10h pour arriver 11h le matin. Vodoum Security. C'est des psychoses sur Racine, sous Vodou Lakaï, sous Toxic FM 91.3 en FM stéréo.
Gam douvan jou, yon 1804, bajou ta pral kase. Avant soleil la télévé, et royauté get en fait. Devant, quoi qu'un chaîne tirage là a continué dans Unitransfer. Nous sommes j'aime de que t'en dis nous que Unitransfer a baillé sans système panneau solaire complet. Eh bien, Unitransfer s'est organisé un gros tirage 31 décembre 2022. Côté 35 familles sont dans blackout grâce à Unitransfer. Kounye, il y a 30 autres systèmes solaires complets. Unitransfer a baillé pour faire maman yo 28 mecs à vin là. Que me fiche nous? Même si tu as fiche déjà depuis le premier tirage là, que me fiche ou dit? Et puis, faire plus de transfert pour participer à un gros tirage ça. Parce que pralge 30 familles pralge système solaire complet pa yo dans tirage ça maman qui recevra plus transfert l'a tout gagne au système solaire complet c'est sot qui baille imbécile qui va prendre une transfert a baille système solaire ou même maman dégage ou gagne système solaire pa yo là une transfert c'est wap. Le sport, la musique, la culture, l'information, l'évangélisation, l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul Kaseka sur les cadres. Suivez du lundi au vendredi à partir de 7h AM, Sport à la Une. Chaque dimanche de 12h à 14h, Sport Débat. Toutes les dernières informations sportives, locales, nationales et internationales sur Toxic FM. À Radio Toxic FM, les sports, c'est notre affaire.
Vendredi 10 mars 2023, amis sportifs, saluons nous tous matin. Donc, vous êtes capable de comprendre, jeudi, c'est la dernière sortie. Émission Sport à la Yin qui arrive à la CAO. Émission ça comme à l'accoutumée qui est toujours passé sur Audio Radio du lundi pour le vendredi, de 7h à 8h, avec moi-même Jean-Kerbe, qui déjà souhaitait nous toutes une bienvenue et bonne audition à bord 411.3 pour suivre la dernière sortie. Émission Sport à la Yin pour suivre maintenant. Et déjà souhaitait nous toutes. Et bon week-end et à port 411.3 matin à la donc me salue non c'est un plaisir pour moi capable de faire nous vivre toutes dernières informations sportives yo tant sur le plan national et international pour matin me salue Jean-René Destin me salue donc PDG directrice là me salue Ken salue dame salue Jacques gagné toute base récent déroulée me salue non et me salue tout bloc toute base tout qui connecté 411.3 matin là et qui pourra suivre dernière sortie émission sport à la non tel que Hérode depuis et Brésil nous gagne Stephen depuis Nassau Bahamas donc me salue monsieur ça et me salue Erwin avec tout Antoine me connaît qui déjà gagne récepteur là pour capable suivre dernière sortie émission sport à la une pour matin. Numéro téléphone radio 1, c'est 43 79 22 34 disponible et ça pas veut dire pas d'homme dit disponible pour pas voyer OK message pour moi des informations en attendant nous et nous pour démarrer mon cas toujours fait ça. Et puis très rapidement sur le plan national nous pour parler de CONCACAF Ligue des Champions Ligue des Champions CONCACAF qui t'a pour le fête donc dans jour passé là dans semaine là même côté nous connaît équipe haïtienne là qui s'est Violette assez de même qui t'a pour le débarrasser des équipes qui les Air Austin FC qui sorti au Texas et par 3-0 avec un doublé de Michnaï Deschi qui t'a pour le marquer pour équipe qui relait Violette assez donc avec doublé ça et nous capable dire dans ligue CONCACAF dans ligue des champions CONCACAF là Michnaider et Michnaider chéri lui-même qui ouais qui t'a pas élu l'homme du match dans compétition si là et puis l'autre côté dans championnat Bulgaria nous parle pas autour de Dickens Nazon qui ouais qui t'a pas élu l'homme du match pour équipe qui est donc CFK Sofia donc là capable comprendre semaine ça qui sont semaine vraiment et qui pas comme une semaine qui très important et pour Haïti même qui a joué football là et puis bon côté mesdames dans Gold Cup là qui pourra le faire là et donc sélection haïtienne féminine qui pourra la jeune chance pour capable participer dans Gold Cup là pour ça qui gagne à pour 2024 là Gold Cup féminin lui-même il pourra l'arriver fait là et bien sélection haïtienne là et bon côté mesdames qui pourra avoir une chance pour qu'ils soient capables de participer dans la compétition si là et nous parlons pas l'auto des équipes Violette Asia encore qui écrit l'histoire dans la compétition Ligue des Champions contre Kakafla. N'a pas les dans zone cap haïtien avec spécialement dans la coupe Enoch Lucien pour qu'on parle d'équipe ASK présent qui t'a pas décroché par Pignon FC dans ça qui gagne à ouais avec deuxième journée et donc de coupe Enoch Lucien nous connaît qui c'était une fondateur d'équipe qui relait Real du Cap là et nous parle et en quelque sorte font coup de pied l'autre côté avec information yo pour ne pas être capable parler des taekwondo à tout de même ça qui gagne à voir avec basketball 3x3 dans émission sport à la une pour matin à l'échelle internationale très rapidement nous pourrons venir avec résultat qui t'a pas enregistré dans conférence ligue avec ligue Europa hier surtout avec Juventus lui même qui t'a pas gagné 1-0 grâce avec monsieur qui est Angel Di Maria depuis arrivé lui en équipe qui est les Juventus là monsieur Ali même la fait bonheur équipe qui est les Juventus de Turin non pour le Venito avec calendrier match qui a bien sous scène européen je ne jodi là
et nous connaissons bien des championnats qu'a joué et demain samedi pour arriver dimanche nous pas venir avec toutes et quelques dépêches et même résultat tout qui gagne dans NBA et en penser c'est tout prince avec un pilote qui pourra le permettre qui vous suivent émission PM plutôt dernière sortie émission sport à la une pour matin là dans toute intégralité pendant n'a prendre petit coup de pause pour qu'on capable respirer et après quoi n'a retourner avec développement information yo. Sans retarder, nous déjà retourné pour développement information et puis nous saluons l'autre fois encore chaque super connecté nous yo, spécialement moun et ou bien auditeur qui toujours connecté nous sur Facebook et même ça qui branche radio via internet www.radiotoxicfm pour suivre différentes émissions qui passent sur Audrey Radio, spécialement émission sport à la une là pour matin. On a parlé à l'échelle nationale très rapidement dans la Ligue des National League et des champions contre Cacaflan, attaquant haïtien le même qui c'est Schneider et Chéri qui t'a pral vive une soirée inoubliable côté il était auteur de un doublé, il était participé donc dans splendide victoire des Violettes assis hier mardi contre l'équipe Austin FC 3 goals à zone stade des Cibaro, ça qui t'a pral permettre qu'il remporte prix des meilleurs joueurs des rencontres là après doublé qu'il t'a pral marqué dans et rencontre là face à l'équipe qui est Austin là nous t'a joué donc première manche 8e de finale à les ligues des champions contre Cacaflan, un défi de taille qui tape tant donc équipe Violette Assen lui même qui t'a doué et croisé les faits avec un club dans MLS à savoir équipe Austin FC et bien Vitiglan même qui t'a pral dévié statistique et pas fait un seul bouché avec rival du Julien 3 goals à 0 du haut de 25 ans, n'a pas l'autre de Schneider lui-même, qui t'a parlé d'un acteur principal de promenade de santé d'équipe qui est les Violettes Assia au dépend des équipes qui est Austin FC à la 3 goals à 0 malgré avec un doublé de Schneider chez lui-même qui t'a parlé marqué. Et donc, pour équipe qui est les et Violette Assia. Et bien, on quitte Schneider qui est l'homme du match pour nous capable aller directement dans le pays Bulgarie avec information concernant Dickens Nation qui est semaine qui a continué et même qui commence à ressembler paraître bon pour Dickens Nation qui réalisait une superbe saison en équipe qui est CSK Sofia Suensa International Haïtien qui est capable de récompenser de trophées joueurs de semaine dans le championnat bulgare de football attaquant lui même qui est en très grande forme dans le pays Bulgarie. En effet, international haïtien qui t'a pral marqué déjà 5 goals lors de 4 derniers matchs. Dernier match de préférence inscrit au moins un goal par match. International haïtien qui s'est notamment deuxième meilleur buteur de championnat avec 11 réalisations. Suben sa bonne prestation et bonne nouvelle pour Dickens Nazon qui a marché à grand pas et parce qu'il t'a pas remporté trophée ça et qui également enfin rappelé là dans sélection nationale haïtienne pour capable disputer deux prochains matchs de sélection haïtienne de football à la dans Ligue des Nations contre Cacaflan et qui pral venir là soit le 25 avec 28 contre équipe Montserrat et contre équipe qui est les Bermudes là. Nous espérons que Dickens Nazon de même va poter et donc toute et potentialité li la à équipe sélection haïtienne de football là pour qu'en quelque sorte yo capable et battre équipe qui est Montserrat et équipe qui est Bermudes là le 25 et 28 mars prochain qui pourra venir là. Et bien on quitte Dickens Nazon pour nous capable aller l'autre côté avec information la Gold Cup et féminin qui pourra le faire pour 2024 là c'est une nouvelle compétition pour les joueuses haïtiennes, même nous connaît qui sont créé exploit qui se fait sensation dans ça qui gagne à ouais pour que tu es capable de jouer dans barrage Coupe du monde et 2023 qui va le faire dans Nouvelle-Zélande. Et bien côté mesdames ça même tu as le jeune bien qualificatif là et bien contre Cacaflan qui déjà communiqué hier occasion de journée mondiale droit des femmes calendrier et format de toute nouvelle compétition qui c'est Gold Cup féminine 2021 qui va le faire aux États-Unis du 20 février au 10 mars 2024 qui pourra venir là de prochaine année qui annonce donc la couleur
drapeau continent américain en matière événements sportifs majeurs. Hormis Coupe du Monde 2026, la Coupe América 2024 là, qui pourra gagner également instauration là, de une Coupe d'or catégorie féminine avec participation de 8 équipes dans la CONCACAF et 4 dans la CONMEBOL. On dit d'abord ce classement de CONCACAF au mois de mars 2023 qui pourra le permettre pour diviser 33 équipes de confédération dans 3 ligues ABC qui pourra l'équivalent à un éliminatoire à Gold Cup. Et bien, équipe de ligue CEO, il pourra automatiquement privé de première édition. Ça, on dit donc ligue même qui pourra ainsi constituer tout pour capable respecter classement CONCACAF. On a les ligues à lui-même qui a bien 9 équipes la donne. Premier à 9e place, c'est il pourra le jouer il y a dans 3e groupe. Ligue Bell qui a bien 12 équipes la donne. C'est 10 à 21e place, ça fait pour 3 groupes. Et puis Ligue 5 a bien 12 équipes la donne, de 22 à 33e place pour 3e groupe. Ça veut dire 3 groupes. Donc, on va commencer. Ligue 1, Ligue A, qui a bien 9 équipes la donne, premier à 9e place pour 3 groupes. Ok, ça veut dire que c'est 3 groupes, 3 là. Et puis Ligue B, qui a bien 12 équipes la donne, de 10e à 21 pour 3 groupes. Ça veut dire que chaque groupe, ça va pas gagner 4 équipes. Ligue 1 pour gagner 12 équipes de 22e place à 33e place pour 3 groupes encore. Ça veut dire là on capable comprendre groupe ça même cap gagner 4. Et puis équipe qui pourra affronter un match aller et retour au cours des 3 fenêtres FIFA en septembre, octobre et novembre 2023, 3 leaders de groupe de Ligue A, yo pourra automatiquement qualifier pour phase de groupe de Coupe d'or là, dans même titre que États-Unis qui c'est champion de CONCACAF 2021, Canada qui pourra affronter Jamaïque en septembre pour dernier billet olympique Paris 2024 dans zone vainqueur de duel ça il pourra qualifier également, ça veut dire entre équipe et Canada et équipe Jamaïque là. Hormis de 5 premiers pays qualifiés, une phase et préliminaire pour le permettre pour capable déterminer 3 autres participants dans CONCACAF là. En effet, 3 deuxièmes de Ligue A ainsi que 3 premiers de Ligue B pour affronter dans 3 duels uniques. Ça veut dire un seul match. Et 3 vainqueurs, yo, même qui pourra gagner billet yo, pour phase de groupe là. Et bien, 4 participants sud-américains ont déjà connu. C'est pour le Brésil, Colombie, Argentine et puis Paraguay qui qualifié sous base de Copa América 2021. Donc, pour Gold Cup là, 12 équipes qualifiées pour aller partir en 3 groupes de 4. Premier, deuxième ainsi que deux meilleurs troisième qui pourra accéder à deuxième tour de phase finale. Il y a un tirage au sort de éliminatoire Gold Cup là qui fixé pour mercredi qui pourra le 17 mai qui pourra venir là. Laisse nous pourra connaître comment Haïti lui-même, sélection féminine lui-même et nous pourra connaître les équipes qui pourra croiser là pour capable participer dans la compétition si là. Au Cap Haïtien, la Coupe Enoch Lucien, pendant que nous saluons Jéjus Michel Roulot du Cap Haïtien qui est toujours à bord. On dit donc championnat ça ou bien compétition ça qui continue et qui continue. Côté donc deuxième ville pays, dans deuxième ville pays qui t'a pas opposé. Et donc Pignon FC hier mercredi en face à l'équipe Caprazan qui n'est pas capable de faire. Que yo match nul de but partout dans la compétition c'est là. On dit donc jeune Enoyo qui t'a pas disputé deuxième match yo dans la compétition après que t'a pas réussi donc entrer en matière contre formation NBA et si m'pas trompé c'était 1-0 pour nouvelle sortie bien vu qu'on capra même qui patte et gagner les possibilités pour qu'il était capable et en quelque sorte faire victoire mais il t'a pas tenu en échec face à l'équipe qui est l'Opinion FC en là de Gol Pato ça dit match à lui même qui t'a pas sorti et comme match nul c'est Mackenzie Joseph qui t'a pas marqué pour visiteur de la 22e minute de jeu et puis le Kens Saint-Surin qui t'a pas la jeune égalisation à la 46e minute de jeu à Escapraz qui t'a gardé tempo et t'a pas redoublé mise par l'intermédiaire de Schneider désavoué 53e minute de jeu puisque Pignonnet même
pas vle lâcher affaire là et puis yo t'apal donc dévier yo t'apal donc sorti deux défaites là la grâce à Mackenson Noel qui t'apal marqué à la 67e minute de jeu qui permet à équipe Pignon les même faire des buts partout face à équipe qui relie à AS Capoise là dans cadre de deuxième match pour équipe AS Capoise et même pour équipe qui les Pignon passé avec et match Nelson équipe AS Capoise les même qui comptabilisait 4 points dans même titre que équipe qui est Real du Cap là et bien on allait l'autre côté avec information yo Violette Asseli même qui écrit l'histoire non ça qui gagne à voir avec Ligue des Champions contre Cacaflan côté il t'a pas remporté un les dire une victoire historique dans Ligue des Champions pour battre équipe qui est Austin FC à ce score sans appel 3-0 à 8e de finale aller un succès qui place le club capital là devant scène avec un record qu'il t'a pas établi le fait que donc il t'a pas réalisé pour remporter une victoire à domicile dans stade de Sibaro qui portait donc surtout paraf de Mitch Schneider chez auteur de un doublé en déformation cap dirigé par Ronnie Atimien qui t'a pas devenu ainsi premier club haïtien qui remportait un match dans nouveau format de Ligue des Champions contre Cacafla en place depuis 2008 pour arriver 2009 Vietigue qui t'a pas le faire honneur d'Haïti en dépit de deux années sans compétition mais aussi Caraïbes en effet c'est t'a pas également donc première victoire des équipes religion contre un adversaire dans MLS là depuis un succès 4-1 des Islandais de Porto Rico contre Los Angeles Galaxy lors de l'édition 2010-2011 là avec le bleu et blanc qui s'est vainqueur de compétition en 1984 à ceux qui sous bonne porte pour capable qualifier pour quart de finale yo et bien pour le fait que en dit donc équipe violette là qui continue de négocier au moins de un match nil au retour de Texas aux États-Unis mais avec rencontre ça avec rencontre Alissa depuis France il t'a pas réalisé sûrement une plus grosse surprise de l'histoire de Ligue des Champions contre CACAF là depuis nouveau format ça là c'est ça donc il fait le connaît pour l'équipe violette assez de football cap disputé Ligue des Champions contre CACAF là et bien on allait l'autre côté avec information dans pays Bolivie pour qu'il capable parler de Jairo Jean lui-même qui continuait et fait bonjour de l'équipe qui est le Real Santa Cruz là et côté Michel lui-même qui retournait seulement 4 mois après de Paris de Real Santa Cruz vers club Always Ready et bien Jairo Jean qui déjà retournait donc dans l'équipe qui est le Santa Cruz là attaquant haïtien qui t'a pour aller retrouver un accord avec ancienne équipe pour capable reporter couleur équipe rouge et blanc les dit retour à partir de Paty en novembre dernier Jairo Jean qui t'a pour aller renforcer donc secteur offensif club Always Ready toujours première division bolivienne avec possibilité pour découvrir Amérique du sud puisque Banda Roya lui-même qui t'a joué Copa Libertadores mais avant de centre lui qui pas fait et long feu dans compétition ça et solution qui t'a parlé donc c'est retourner en équipe Real Santa Cruz sans club qu'il t'a parlé rejoindre en 2021 en provenance d'équipe dominicaine qui c'est San Cristobal et un dit haïtien qui disputait avec Real Santa Cruz 12 matchs dont 6 en tant que titulaire côté il t'a parlé marqué des goals lors de première saison puis en 2022 international haïtien qui c'est Jairo Jean lui t'a parlé prendre pas à traite de rencontre avec clé de 18 titularisations pour 5 réalisations et des passes décisives. Yon Oben Pojor de 24 ans qui pourra le retrouver yon l'autre joueur haïtien qui c'est Chilov Archilus dans formation actuelle ça. Lui même qui place la 10e sur 17 équipe dans le championnat bolivien à 5 unités après 4 premières journées qui déjà disputées dans le championnat bolivien de football. Là. Rapidement à l'échelle internationale, nous traversons avec information. Nous avons pris dans le compte CACAF pour nous dire qu'il y a une équipe
et Ligue des Champions contre Cacaflan, n'a dit une équipe qui les Motagua c'est dire qui t'a pas le faire 0 but partout face à équipe Pachuca et puis gagne équipe qui les LD à la loi à la LNC qui t'a pas le tomber devant équipe Los Angeles là et 0-3 dans ça qui gagne avec résultat de 8e de finale Ligue des Champions zone contre Cacaflan n'a parlé en Europe dans Ligue Europa pour dire hier gagne équipe Union Berlin lui-même qui t'a pas le faire 2 buts partout face à équipe Union Saint-Gilloise là Bayer Leverkusen corrigé qui fait Varos la 2 goals à 0 Sporting Portugal fait 2 buts partout face à équipe Arsenal là AS Roma t'a pas le gagne équipe Real Sociedad la 2 goals à 0 Séville gagne équipe Fenerbahçe 2 goals à 0 Juventus t'a pas le gagne Fribourg par 1-0 avec Angel Di Maria Manchester United t'a pas le gagne équipe Real Betis là 4 goals à 1 avec Marcus Rashford Bruno Fernandes et puis t'a pas le gagne donc l'autre Flanessa qui c'est Anthony avec tout Vegas qui c'est international hollandais t'a pas le marqué pour équipe qui les Manchester United là après et débarquio contre équipe qui les Liverpool là dans championnat et 7 goals à 0 donc semaine week-end écoulé et puis gain Real Betis moun qui t'a pas le marqué pour lui c'est donc monsieur qui les Ayozia qui t'a pas le marqué pour équipe Real Betis là Shakhtar Donetsk fait un but partout face à équipe Feyenoord là dans Conference League là gain équipe qui les l'Anarca lui même qui t'a pas le tomber devant West Ham 0-2 gain Sheriff qui tombe devant équipe Nice là 1-0 Anderlecht t'a pas le faire un but partout face à équipe qui les Villarreal là c'est Trigueros qui t'a pas le marqué pour Villarreal on dit donc Fiorentina lui même bat équipe Sivasspor là 1-0 Lech Poznan t'a pas gagné Joe Gardens 2 goals à 0 Basel fait 2 buts partout face à équipe Slovan Bratislava et puis Karaget lui même t'a pas fait 1 but partout face à équipe qui est Istanbul Besiktas là c'était tout résultat qui t'a pas enregistré hier dans ça qui gagne à voir avec 8e de finale de Conference League là avec toute Europa League là. N'a pas quitté football pour capable aller directement dans ça qui vient à voir avec NBA résultat hier gagné P16 qui t'a pral gagné équipe qui est les Rockets là 134 à 125 Orlando Magic tombé devant Utah Jazz à 124 à 131 gagné Detroit Pistons qui tombé devant Charlotte Hornets 103 à 113 Memphis Grizzlies gagné Golden State Warriors à 131 à 110 gagné équipe qui est donc Milwaukee Bucks là qui t'a pas le gagner et Brooklyn Nets par 118 à 113 et puis Sacramento Kings t'a pas le gagner New York Knicks 122 à 117 pour jeudi Washington Wizards pour le jeu contre Atlanta Hawks et pour le A7 Philadelphia 76ers pour le jeu contre Portland Trail Blazers A7 Minnesota Timberwolves pour le jeu contre équipe qui est le Brooklyn Nets c'est pour le A8 Miami Heat contre Cleveland Cavaliers c'est pour le A8 San Antonio Spurs contre Denver Nuggets c'est pour le à 8h et puis elle est les 15 pour aller jouer contre Toronto Raptors à 18h30 pour Asroyola. Rugby gagne équipe de France là les mêmes qui ont été anglais réservé en surprise historique à Galtier qui était parti bien et avec chance pour capable réaliser grand chelem là équipe de France là capable encore espérer remporter tournoi 6 nations ça qui pourra le passer par une victoire samedi à Twickenham dans occasion des coach face à équipe Angleterre là Steve Botwick qui est sélectionneur d'équipe rose là qui était d'ailleurs préparé en surprise à Bleu pour rencontrer ça en effet pour première fois depuis 2015 Owen Farrell qui pourra débuter sous banc équipe de France qui pourra déplacer sous pelouse de l'Angleterre
ouvert demain samedi en occasion de 4e journée tournoi des 6 nations bâti en Irlande le 11 février dernier 32 à 19. Français eux-mêmes qui étaient d'ores et déjà dit adieu à Grachelem Nord, mais qui conservait ambition pour remporter tournoi. Ça qui pourra le passer, donc par une victoire à Twickenham. Il y a un compte pour laquelle Fabien Galtier lui-même qui décidait posséder à 3 changements dans ça qui concernait l'équipe Roseland. Steve Botchick qui t'a fait un choix fort au moment pour choisir mon lieu pour capable de jouer. Je pense que bonne décision s'y fait débuter Marcus Smith, en effet, sélectionneur de l'Angleterre, lui-même qui décide de fait débuter et capitaine Lyon qui c'est Owen Farrell Souba qui pourra laisser place à Marcus Smith pour match ça. Moi pensais que bonne décision c'était fait débuter Marcus Smith et fait le jouer en début de match là, puis depuis pour me faire jouer donc Owen Farrell en fin de match. Je pense que c'est bonne façon pour me posséder face à adversaire ça. On dit donc comme moi t'ai fait toujours et m'a passé en revue plein de jeux que nous souhaitons mettre en œuvre. On dit donc tactique spécifique que nous souhaitons mettre en œuvre contre adversaire et ses points forts qu'il possédait. Et pour match ça, nous avons décidé de faire sélection. C'est même processus qui me fait chaque semaine. Owen, qui était vraiment brillant, comme toujours, il a dirigé l'équipe ça de manière fantastique, quel que soit le rôle qu'il jouait. Il peut paraître incroyable pendant ce match ça, expliquait Steve Botchick en conférence de presse lui-même, qui s'est entraîneur équipe Angleterre là, dans ça qui gagne à ouais avec Wigby. N'a quitté donc Wigby pour aller dans Formule 1 pour me dire après une saison 2022 chaotique, Lewis Hamilton qui ouais que les rassurer lors du Grand Prix de Bahreïn n'a coûté le tapral signé yon encourageante 5e place. Il s'agit là de yon année charnière pour ses petits plaçants et champion du monde britannique là, puisque l'Ipral arrivé dans fin de contrat dans fin de saison là, bien que pour qu'on gagne qui t'a officiel li baille quelques indices concernant avenir de Lewis Hamilton. La caille Mercedes qui encore incertain en fin de contrat pendant fin de saison qui pourra venir là, britannique là qui pas toujours prolongé ou même annoncé de parler à la retraite à la recherche de yon 8e titre qui donc traduit Lewis Hamilton qui capable et abdouté 22 buts de saison qu'il t'a très impossible pour aller chercher Max Verstappen de Alessa et qu'il t'a et qui faut qu'il t'a et peut-être tendre 2024 pour retrouver couronne yon hypothèse qui casse sans doute expliquer souhait de Lewis Hamilton pour le rété n'a pas donc alors qu'il pral gagner 39 ans l'année prochaine qui pral venir là. Football très rapidement avec calendrier confirmatif de 27e journée championnat français de football. Jeudi en la, Lyon lui-même cap en déplacement. La ca équipe les lance poil à 3h. Demain samedi, gain Ajaxer cap jeu contre Rennes, ça c'est poil à 11h. Et puis gagne Brest cap recevoir équipe Paris Saint-Germain lui-même. Nous connaît qui se joint élimination devant équipe Bayern de Munich là de goal à 0 qui poil en déplacement la ca Brest à 3h en dimanche. Toujours dans le cadre de 27e journée, il y a clairement qu'à recevoir Lens, c'est pour aller à 6h du matin, mais plutôt à 7h. Et puis, il y a notre qu'à recevoir équipe qui est l'Inisland à 9h, Angers Toulouse à 9h, Ajax contre Montpellier 9h, Lorient contre 3 9h. Et puis, à 11h05, Monaco à recevoir équipe Remsland. Et puis, à partir de 10h45, Marseille lui-même la recevoir équipe qui est les Strasbourg là.
Ça, c'est match qui programmé là pour 27e journée championnat français de football communément appelé Ligue 1 en aller en Angleterre avec match qui pourra la gagner dans le cadre de 27e journée. Demain samedi, Gbalemouf qui a poursuivi Liverpool, c'est pour à 7h30. Leicester City contre l'équipe Chelsea à 10h. Gagne Tottenham Hotspur qui a poursuivi Nottingham Forest de Keylor Navas, c'est pour à 10h. Everton contre l'équipe Brentford à 10h. Leeds United contre Brighton 10h. Et puis à partir de 12h30, Crystal Palace lui-même pour aller recevoir l'équipe Manchester City. En dimanche, Manchester United à 9h contre l'équipe Southampton. Fulham pour le jeu contre Arsenal 9h. West Ham pour le jeu contre l'équipe Aston Villa. Newcastle pour aller recevoir l'équipe qui est Wolverhampton là à 11h30. En mercredi qui pourra la 15 dans le cadre de match en retard. 8e journée, Game Brighton qui pourra recevoir l'équipe qui est Crystal Palace là. Très rapidement le Bundesliga avec match qui pourra la jouer pour 24e journée, jeudi vendredi. Gain Cologne qui a poursuivi Bochum, c'est pour aller à 10h30. Gain demain samedi, RB Leipzig contre l'équipe Bayern et Borussia Mönchengladbach à 9h30. Bayern de Munich a poursuivi Augsbourg, Eintracht Frankfurt pour aller recevoir VfB Stuttgart, Hertha Berlin contre Mainz. Et puis à 12h30, Gain Schalke 04 qui pourra jouer contre l'équipe qui est Borussia Dortmund. En dimanche, Fribourg pour aller recevoir Offenham, c'est pour aller à 9h30. Werder Bremen contre l'équipe Bayern Leverkusen à 11h30. Et puis, il y a Wolfsburg lui-même qui pourra recevoir l'équipe qui est Union Berlin. Là, c'est pour aller à 7h30 à 1h30. Que Gemsa lui-même, il pourra jouer pour capable de tirer 24e journée championnat allemand de football, communément appelé la Bundesliga. En allant dans la Liga Espagnole avec le calendrier de 25e journée. Jeudi, il y a 4-10 qui pour recevoir l'équipe Getafe à 3h. Demain, si Dieu veut, à partir de 8h. Real de Madrid a recevoir équipe espagnole Barcelona. Elche lui-même pourra le recevoir Real Valladolid, c'est pour aller à 10h15. À 12h30, Rayo Vallecano a en déplacement la équipe Celta Vigo. À 3h, Valence a recevoir équipe Kelly Osasuna. En dimanche, Real Mallorca a recevoir équipe Real Sociedad là à 8h. FC Séville a recevoir Almeria, c'est pour aller à 10h15. À 12h30, Betis Séville pour aller jouer la équipe Villarreal là. Et à 3h, Barcelone lui-même parle en déplacement dans San Mamés la équipe qui est Athletic Bilbao pour capable clôturer et jouer ça en lundi. Gagné Jérôme qui a poursuivi l'équipe Atlético de Madrid là, c'est pour aller à 3h pour et capable mettre en fin avec 25e journée de championnat espagnol de football, la Liga Santander. Et puis dans la série A italienne avec calendrier de 26e journée depuis vendredi. Gagné soit jeudi, gagné la Spezia qui a joué contre l'équipe Inter Milan à 2h45. Empoli demain samedi a recevoir Udinese, c'est pour aller à 9h. À midi, gagné Atalanta qui a en déplacement la caille équipe Napoléon qui jusqu'à présent a fait une bonne saison dans le championnat italien de football là. Et puis gagné Lazio Drome qui a en déplacement à 2h45. La caille équipe qui relève Bologna. En dimanche, Lecce a recevoir équipe Torino à 7h30. 30 à 9h, Cremonese Fiorentina et Lazio contre Monza et puis AS Roma pour le jeu contre Sassuolo, c'est pour à midi et à 10h45. Juventus de Turin après se voir équipe Sampdoria Genoa en lundi pour capable clôturer 26e journée. Milan AC lui-même qui a pris sur équipe qui les salaires Nitana à 10h45.
on fait coup de pied en Espagne avec deux pêches ça en dans équipe Real de Madrid là les mêmes Benzema avec toute et que monsieur Kylian Mbappé puisque nous connaît Mbappé si un joueur qui toujours dans petit papier équipe Real de Madrid là après que t'as pas critiqué choix français pour prolonger en équipe Paris Saint-Germain était dernier la presse espagnole qui relançait jeudi vendredi en possibilité pour nous voir Kylian Mbappé 24 ans 31 matchs et 30 goals toute compétition saison ça avec équipe Paris Saint-Germain signé en dans Real de Madrid à l'avenir. Comment capable expliquer un tel volte-face et bien récente élimination équipe parisienne en Ligue des Champions et nouveau statut endossé par Ebondinois qui nous capable inspirer la presse ibérique mais c'est pas tout quotidien Marca lui-même qui souligne surtout jeudi vendredi un lien évident entre intéressant et déclin physique de Karim Benzema explication yo avec lorsque Real Madrid qui t'a montré jusque là hyper satisfait de ballon d'or là qui t'a pas porté donc secteur offensif là et empilé goal la saison passée yo récurrent pépin connu yo t'a cap dit là ça c'est blessure yo par tricolore dans saison ça qui convainqui dirigeant madrilène yo pour mener une réflexion sur nécessité ou non attirer une nouvelle vedette en attaque lors de prochain mercato pour estival qui pourra venir là pour capable prendre la relève et bien en toute logique Mbappé qui imposé le comme numéro 1 dans optique ça attention pour ça lui-même pas pour ça pas veut dire que ancien Monégas n'a pas devenir yon Bengue dans prochain mois qui pourra venir là plutôt qui Real de Madrid semblait encore prêt pour mettre et t'a dit toute et possibilité là pour capable recruter monsieur Kylian Mbappé en équipe qui le Paris Saint-Germain nous connaît qui mettait interdiction là pour Real de Madrid pata recruter monsieur Kylian Mbappé ça veut dire la Kylian Mbappé lui-même qui toujours a fait jeu avec direction madrilène et bien en quitter Real de Madrid bon regarder si pas capable toujours été en Espagne avec information yo en équipe Barcelona Konya côté donc gagné attaquant phare polonais qui a joué sur l'équipe Barcelona parle de Robert Lewandowski qui voulait un jeu moderne en dans équipe que le Barcelona très efficace depuis arrivé l'été dernier polonais Robert Lewandowski 34 ans 20 matchs et 15 goals dans la Liga saison ça qui bien assumé les philosophies de FC Barcelone mais attaquant polonais qui a conseillé à club catalan pour adapter à football moderne ADN de Barcelone c'est pour pratiquer beau jeu mais faut comprendre que football là a évolué de temps à autre confié ancien Bavarois au magazine officiel de Blaugrana par exemple jeu Barcelone dit ça gagne 10 ans dès qu'il pas fait il pas ta fonctionner peut-être pas maintenant faut trouver solution idéale par rapport à lieu côté nous et à jouer yo qui nous gagnant c'est ça Robert Lewandowski dit même t'as pas déclaré que direction Barcelone le même t'as dû changer tactique de jeu hein, pour qu'il capable appliquer jeu moderne pour l'instant. On a les coefficients de l'IFA, surtout pour semaine européenne, ça qui fait contraster pour club français. Yo, mercredi soir, Paris Saint-Germain qui t'a pas éliminé la Ligue des Champions par Bayern de Munich, 8e de finale 0-1.
à l'aller et au retour. 0-2, une énorme déception pour football français. Heureusement, équipe Nice qui tapera le rebail un peu de sourire dans l'Hexagone pour remporter jeudi 8e de finale aller de Ligue Europa Conférence dans sous pelouse des Sheriff Tiraspol 1-0 dans classement de coefficient l'UFA supérieur 2018-23, période de référence pour attribution place européenne. Yo, un dit victoire de Nice qui permet à la France 5e limiter et Kasli écart avec Pays-Bas qui 6e qui passait de 3031 à 2764 points, alors que Portugal qui 7e qui gagnait 5282 points et font capable surveiller le résultat de l'équipe Fenerbahçe qui t'avait fait un but partout à l'aller contre l'équipe que les Shakhtar Donetsk dans ça qui gagne à ouais avec ces trois équipes AZ Alkmaar victoire de goal à 1 à l'aller contre l'équipe la Sud de Romain dans ces 4 lances avec 10 conférences Ligue 1, est-ce que c'est vrai? Et donc, et puis pour rappel, la France qui doit être 5e dans le classement ici fin de saison pour obtenir 4 tickets qualificatifs, 3 qualifiés directs et une équipe en tour de qualification contre 3 actuels 2 plus 1 pour nouvelle formule de Ligue des Champions à partir de 2024-2025 qui pourra venir là, ça veut dire équipe, mais plutôt en France peut-être. Pour les gagner 4 équipes qui sont capables de participer dans ça qui gagne à ouais avec Ligue des Champions. Eh bien, on faut couper une équipe Paris Saint-Germain très rapidement avant que nous puissions arriver de presse là. En depuis de nombreuses péripéties des derniers mois et des négociations finalement avortées en mai dernier. Kylian Mbappé, 24 ans, 31 matchs et 30 goals, toute compétition saison 100, qui est toujours autant associé à Real de Madrid dans le cadre d'un futur transfert. Et récente élimination parisienne en Ligue des Champions qui pas risqué calmer. Rumeurio, jeudi vendredi, en quotidien espagnol Marca a remis. Et donc, d'ailleurs, dossier au goût du jour. Sauf que plutôt que pour nous faire éloge des attaquants français, médias expliquaient Frasa que Maison Blanche pas compté plus pour plier en 4 pour séduire Mbappé. En clair, si Bondinois qui souhaitait vraiment rejoindre Mengo dans l'avenir proche, libre à louer, pouvait et bataille plus. Comment et bon, regardez question qui dit comment nous capables de convaincre Paris Saint-Germain pour céder et donc Kylian Mbappé le des prochains mercato estivalant, mais pour accepter également baisse des salaires qu'il pourra toucher actuellement en France. Autant dire que pour leur numéro 7 parisien, qui semblait très loin de leur départ pour l'Espagne, son dossier n'a suivi de près pour même pour nous connaître comment ça pourra passer une fois que gain évolution la donne, ou bien une fois que gain révolution la donne, n'a fort qu'on est, puisque et peut-être gain en pile fanatique Real de Madrid qui t'a bien aimé, ouais, Kylian Mbappé a juste coulé équipe Real de Madrid là. Bon, arrivé pour que nous capables suivre revue de presse là. Après ça, bon, penser que nous capables mettre en fin dans émission qui est l'esport à la une dans cadre dernière sortie émission là. En suivre revue de presse là pour matin là. Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec la Juventus qui jouait hier en Europa League. Les Bianconeri ont pris le dessus face à Fribourg 1-0 grâce à Angel Di Maria. Et ce vendredi, c'est l'Argentin qui est mis à l'honneur dans la presse transalpine, comme ici en une de la Gazzetta dello Sport. L'ange s'envole, titre le journal au papier rose, avec un petit jeu de mots au passage. Le ton est le même en couverture du Corriere dello Sport. Angel et démon, s'amuse le quotidien italien, qui explique que c'est bien Di Maria qui a fait plier son adversaire allemand, tandis que le cas Pogba exaspère son coach Massimiliano Allegri. Paul est arrivé en retard pour la convocation. Ce n'est pas une question de punition, mais je pense que tout le monde doit respecter les règles. Il était juste de le renvoyer chez lui, a-t-il envoyé. Pogba s'est donc bien fait remonter les bretelles, mais d'après la Gazzetta, ça pourrait même aller plus loin. En interne, son cas agacerait fortement les dirigeants et son avenir serait menacé. Si sa situation n'évolue pas d'ici à l'été, le club pourrait chercher à s'en séparer. Enfin, c'est encore l'ancien joueur du PSG qui est en une de Tutto Sport. Un vol d'ange résume ainsi le journal pour évoquer cette rencontre.
Allez, on part en Angleterre maintenant avec Manchester United qui jouait également hier soir. Et les Red Devils ont frappé fort avec une victoire 4 buts à 1 contre le Betis. Pour The Daily Telegraph, c'est un retour en fanfare des Mancuniens après la correction historique reçue face à Liverpool dimanche dernier. Lors de cette déroute, un homme avait particulièrement été attaqué pour son attitude, c'est Bruno Fernandes. Eh bien, ce vendredi, c'est lui qui est mis à l'honneur dans les tabloïds. Il faut dire qu'il a été très décisif avec un but marqué et une passe décisive offerte. On le retrouve ainsi en une des pages sport du Daily Star ou encore du Manchester Evening News. Même chose avec le Daily Express. À noter que le quotidien anglais nous rapporte aussi le résultat d'Arsenal qui n'a pas réussi à prendre le dessus face au Sporting. Résultat, un match nul de partout, ce qui fait d'ailleurs beaucoup de bruit au Portugal avec par exemple la couverture de Record ou encore du journal Abola, pour qui désormais rien n'est impossible en vue d'une qualification. Revenons à nos moutons du côté de l'Angleterre avec The Sun qui revient aussi sur ces deux rencontres européennes. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont plutôt les informations concernant le club de Tottenham. Rien ne va plus chez les Spurs qui cherchent visiblement un nouveau coach à l'issue de la saison, car le contrat d'Antonio Conte touchera à sa fin et il ne sera pas renouvelé a priori. Et si on en croit le tabloïd, l'un des candidats favoris pour prendre la suite est tout simplement Thomas Tuchel. Sauf que le technicien allemand serait en proie au doute, il ne serait pas sûr du tout de vouloir ce poste. Cette succession sur le banc des Spurs fait aussi les gros titres du Guardian aujourd'hui, avec un deuxième nom qui est évoqué. Cette autre piste n'est autre que Mauricio Pochettino. Il fait lui aussi partie de la shortlist de dirigeants londoniens. On le retrouve également accompagné de Tuchel en une des pages sport du Daily Mirror. Le tabloïd parle d'un dilemme pour évoquer ce choix du point de vue de la direction de Tottenham. Affaire à suivre. Encore une question de banc, mais en équipe de France cette fois, il s'agit du poste du sélectionneur de l'équipe de France féminine, car comme on vous l'expliquait dans le JT d'hier, Corinne Diacre a été écartée par le comité exécutif de la Fédération Française de Football. Et il faut donc maintenant régler la question de sa succession à 4 mois environ du début de la Coupe du Monde. Toujours en France, un petit mot sur l'OGC Nice, qui a gagné son 8ème de finale aller d'Europa League Conférence hier face au Sheriff Tiraspol 1-0. Comme le résume bien Nice Matin ce vendredi, le gym c'est du solide. Enfin, c'est Kylian Mbappé qui fait les gros titres du Parisien, le journal local se demande s'il a une bonne raison de rester au PSG. Toutefois, selon le quotidien, malgré ce nouvel échec parisien en Champions League, il reste des motifs d'espoir. Direction l'Espagne maintenant avec le journal AS qui fait justement sa couverture sur les stars du Paris Saint-Germain. Pour le quotidien, ces joueurs sont dans une cage dorée, car depuis que les Qataris sont à la tête du club, 1,48 milliard d'euros ont été dépensés en transfert. Une somme record puisque c'est le club qui est le plus investi sur cette période dans le monde, juste derrière Chelsea. Mais les Blues, rappelle AS, ont réussi à gagner le trophée de la Ligue des Champions. C'est donc un terrible échec qui amène le PSG à tout repenser, que ce soit concernant le coach, la direction sportive mais aussi les joueurs, avec les cas Messi, Ramos, Neymar et consorts. D'ailleurs, c'est encore un joueur parisien qui fait la une d'un journal ibérique ce vendredi, il s'agit de Messi, qui est donc en couverture de Mundo Deportivo. Le quotidien catalan ne semble attendre qu'une chose, la grande décision de la Pulga concernant son avenir. Selon Mundo Deportivo, dans la tête de l'Argentin, le PSG resterait l'option numéro 1 car il souhaite rester encore au plus haut niveau, et donc un club européen de haut standing. Pour l'instant, l'Arabie Saoudite ou la MLS ne semblent pas l'intéresser, alors que dans le même temps, le Barça et son président Joan Laporta rêveraient de signer son retour à la maison. Allez, on termine ce tour de la presse avec la Catalogne encore. Il s'agit cette fois du journal Sport qui nous donne une nouvelle piste du board Blaugrana pour le prochain mercato. Et c'est un sacré nom puisque le FC Barcelone s'intéresserait fortement à João Cancelo. Selon le quotidien espagnol, c'est une option très sérieuse puisque le Bayern Munich ne devrait pas lever son option d'achat qui s'élève à 70 millions d'euros. Et s'il retourne à Manchester City, il sera encore persona non grata puisque Pep Guardiola n'en veut plus. De quoi intéresser le Barça qui n'a pas vraiment de grands spécialistes au poste de latéral. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato. Merci tout le monde qui était à bord de 11.3 depuis 7 heures pour arriver jusqu'à 7 présentes minutes pour te suivre dernière sortie et 5e sortie émission Sport à la Une pour ce maintenant. Alors, souhaitez nous tous encore bon week-end. Ou même qui a boué pas conduit, ou même qui a conduit pas boué, conseille ça, moi-même, bah, il y a en pile. Et donc, rendez-vous cassé, c'est va pour dimanche, 12h, 14h, dans l'émission Sport Débat. Et puis, lundi matin, pour l'émission qui est les Sports à la Ina. Merci, Jérôme Destin. Merci, PDG Radio. Allez. Toutes les informations locales, nationales et internationales de première main sur le sport, la culture, la politique et de la vie de tous les jours en français ou en créole, la radio Toxique FM informe et forme son auditoire de manière constante. Je vous le dis tantôt, informer, former, distraire, c'est notre savoir-faire. PrEP, c'est un moyen pour empêcher ou traper